Donc une fois que l'on a testé que notre accès à partir d'un PC sur notre réseau local est valable, donc on peut activer l'ASIAIR Plus au travers d'une mini-PC, maintenant on va passer à la deuxième partie, et qui est donc la création d'un VPN privé pour pouvoir cette fois accéder à mon ASIAIR Plus au travers du mini-PC, mais de l'extérieur de mon domicile, sur un réseau par exemple public, à partir de l'extérieur. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est donc cette étape 4 qui est la création du VPN, et c'est pour ça qu'on aura besoin du petit boîtier de GL.iNet, qui est le modèle GL MT300-V2, appelé aussi Mango. Donc il y a un petit boîtier qui va permettre de créer ce fameux VPN. Alors c'est un boîtier qui est alimenté à 5 volts et qui peut être donc alimenté au travers d'un chargeur de smartphone ou même au travers, je dirais, d'une prise USB sur un ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est donc d'allumer ce boîtier et donc on branche l'alimentation et une première LED va s'allumer. Il faut donc attendre une minute ou deux pour qu'une deuxième LED s'allume sur le boîtier et à ce moment-là, il est prêt pour la configuration. À partir de là, ce boîtier, il faut savoir qu'il émet un signal Wi-Fi. Et donc, on va pouvoir connecter un Mac ou un PC au travers de ce Wi-Fi. Et là, il faudra saisir pour se connecter à ce Wi-Fi privé le mot de passe Good Life. Il est également possible, en fait, de connecter ce boîtier avec un câble Ethernet qui est fourni dans l'emballage. Alors, moi, j'utilise la connexion Wi-Fi car elle est très très simple à utiliser. Maintenant, dès que ce boîtier est donc connecté en Wi-Fi avec notre PC ou notre Mac, on va pouvoir ouvrir un navigateur, Safari, Google Chrome, etc. et utiliser l'adresse http://192.168.8.1 pour accéder à l'interface de ce boîtier Mango et pouvoir faire notre configuration du VPN. Alors, maintenant qu'on a testé dans la première étape le fait de pouvoir se connecter à notre mini-PC puis à notre ASIAIR, maintenant on va voir comment il est possible donc de se connecter à l'extérieur, je dirais, de notre réseau local, à mon mini-PC et ensuite à l'ASIAIR. Donc pour cela, et pour sécuriser cette connexion extérieure, on va utiliser un VPN. Alors pour faire un VPN, je dirais privé, il est assez aujourd'hui facile de le faire grâce à des petits boîtiers qui permettent en fait de configurer notre VPN privé. Et pour cela, moi j'ai choisi un petit appareil qu'on appelle le Mango, bon, qui est de couleur jaune, hein, bon, peut-être pas très beau, mais qui est très très efficace et très facile à utiliser et à configurer. Donc ce mini smart router, donc il est possible de le trouver sur Amazon pour un prix aux alentours de 26-29 €. Alors ce petit boîtier est en fait très simple d'utilisation et il est composé de plusieurs accès. Donc on va avoir un accès ici pour le WLAN, c'est-à-dire pour notre réseau par exemple domestique. Ici c'est une prise Ethernet qui va essentiellement nous servir, mais pas tout le temps, pour la configuration de l'appareil. Mais sinon, c'est en fait une entrée Ethernet sur cet appareil, puisqu'en fait cet appareil peut servir de routeur, mais également de VPN, et il a d'autres possibilités. Mais nous, on va s'en servir en tant que VPN. Ici, donc, c'est le bouton, la prise en fait pour connecter un cordon mini USB vers USB pour l'alimentation en 5 volts Il a une prise USB ici pour le connecter par exemple à un smartphone ou à une tablette en fait, pour permettre d'utiliser la fonction que soit routeur, soit une utilisation Internet. Il a un bouton reset pour le réinitialiser. Il a un bouton ici qu'il est possible de paramétrer dans l'application. Il a une petite sortie ici de ventilation. Ici, il a 3 LED, donc on verra à quoi elles servent. Et c'est tout. Donc en fait, il est très très simple et vous allez voir très efficace. Ensuite, si on retourne donc ici l'appareil, on voit qu'il va nous donner ici une adresse en fait, une adresse IP en fait. Je vais le rapprocher, voilà, une adresse IP qui va permettre d'accéder à son interface de configuration. Donc maintenant, je vais brancher donc en fait mon mini routeur ici dans mon petit appareil. Donc voilà, c'est une prise et je vais le connecter. Donc il faut utiliser donc une source très importante 5 volts. Alors le boîtier, le connecteur de 5 volts n'est pas donné avec l'appareil, mais un connecteur comme ceci qui sert pour les smartphones va très bien. Donc je vais donc connecter mon appareil. Et ici, je le connecte et une petite LED va s'afficher et il faut à peu près 1 à 2 minutes pour que l'appareil se mette en marche. Donc on va attendre. Alors dans la boîte, on trouve bien évidemment le mode d'emploi qui est ici, hein. Donc tout est expliqué. Donc comment connecter en fait notre boîtier. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors une fois que l'appareil est connecté, donc il faut que une deuxième LED en fait s'affiche. Une fois qu'il est connecté, on pourra donc, soit le connecter à notre PC, je dirais, ou un Mac, à notre PC de configuration pour le configurer. On pourra le connecter soit en Wi-Fi, puisque cet appareil est capable également de générer un Wi-Fi. Donc on pourra se connecter soit en Wi-Fi à cet appareil, soit en connectant le câble Ethernet qui est fourni donc avec l'appareil, qui est ici, soit donc on pourra connecter ici ce câble Ethernet entre l'appareil et notre PC de configuration qui nous permet la configuration. Moi, je vais utiliser la possibilité Wi-Fi de cet appareil car ce sera encore plus simple. Donc voilà, donc là, il faut attendre en fait que la deuxième LED en fait soit affichée et après on pourra passer sur le... Voilà, donc ici ma deuxième LED vient de s'afficher. Donc l'appareil est prêt à être configuré et là on va passer, donc on passera sur le PC de configuration et en fait il faudra, je dirais, utiliser donc un navigateur et utiliser l'adresse http://192.168.8.1 pour accéder à l'interface de configuration. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'immédiat. Une fois qu'on a saisi donc cette adresse que je vous ai donnée tout à l'heure, l'interface suivante s'affiche et tout simplement la première chose à faire, c'est donc de choisir la langue. Alors malheureusement il n'y a pas la langue française, donc on prendra la langue anglaise qui est la seule disponible ici en Europe. Donc une fois la langue choisie, on passe à l'étape suivante qui est de donner un nouveau mot de passe pour pouvoir administrer le boîtier. Donc il suffit ici de donner donc, le nouveau mot de passe. Alors attention, c'est un mot de passe de plus de 8 caractères, sinon il ne le prend pas. Et une fois qu'on a saisi notre mot de passe, il suffit de faire Apply pour que ce mot de passe s'enregistre sur le boîtier. Une fois le mot de passe donc saisi et enregistré, on peut redémarrer, on peut refaire recharger hein, sur le navigateur pour vérifier qu'il nous a bien pris le mot de passe. Et il va nous afficher cette interface. C'est-à-dire que cette fois, il nous affiche un menu et en fait l'état actuel du boîtier. Donc ici, on est toujours connecté au Wi-Fi en fait du boîtier Mango. Et on le voit sur le côté, il met une connexion WLAN client, donc qui est en fait mon PC ou mon Mac sur lequel je suis connecté à ce boîtier. La première chose qu'il va falloir faire, c'est donc deux opérations. Un, vérifier qu'on a bien le dernier firmware du boîtier. Également, qu'on est synchronisé avec notre localisation. C'est ce qu'ils appellent le time zone. Donc on va faire, dans un premier temps, ces deux opérations. Par contre, pour faire ces opérations-là, il va falloir connecter ce boîtier Mango à notre réseau, donc au travers soit d'un câble Ethernet à un autre box, et là cela permettra de pouvoir accéder donc à Internet et de pouvoir faire ces deux opérations d'upgrade et de time zone. On va donc connecter à notre boîtier Mango cette fois un câble Ethernet entre notre box et le boîtier sur la prise en fait WLAN. Ça c'est très important, si on le fait sur la prise LAN, ça ne marchera pas. Il faut donc utiliser la prise WLAN et connecter un câble Ethernet entre cette box et ce boîtier. À partir de là, il va commencer à chercher une connexion donc avec notre box. C'est pour ça qu'on aura le message Connecting. Et à partir de là, on pourra faire l'upgrade et time zone. Donc, on arrive donc à l'étape 4.10. On voit ici donc que j'ai connecté mon câble WLAN et qui m'a donc trouvé mon réseau. On voit l'adresse 192.168.1.1 qui est en fait ma Livebox. Et ici, je vais donc aller dans l'onglet Time Zone. Il suffit de faire Apply et il va automatiquement se synchroniser avec, je dirais, le réseau local et trouver la date et la position. Ensuite, on ira dans Upgrade et cette fois, il faudra faire Online Upgrade. Donc ici, moi, j'ai déjà fait la mise à jour, mais en fait, il va vous permettre de balayer, de rechercher s'il existe une mise à jour. S'il existe une mise à jour, il va vous demander de télécharger un fichier et ensuite, à partir de ce fichier, donc on fera local upgrade et en fait, il suffit de sélectionner ce fichier et il fera automatiquement la mise à jour du firmware. Maintenant, à cette étape, en fait, on va donc rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à créer notre serveur VPN. Alors je vous rappelle que là, mon boîtier est toujours connecté avec le Wi-Fi privé du boîtier Mango, mais il est également relié à ma box grâce au câble WLAN. Et si on regarde le boîtier, on verra que les trois LED sont allumés. Donc en fait, le plus simple, c'est d'utiliser en fait un VPN WireGuard, puisqu'il existe plusieurs possibilités pour créer un VPN. Donc on a OpenVPN qui est le serveur le plus connu, mais je trouve que le WireGuard est le serveur VPN le plus simple à configurer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur l'onglet VPN et on va choisir WireGuard Server. À partir de là, il nous affiche ce petit écran et il nous donne en fait les étapes à faire. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps cliquer sur le bouton Generate Configuration et à partir de là, il va nous donner accès au paramétrage du serveur. Une fois qu'on a cliqué sur serveur WireGuard, en fait, il va afficher l'écran suivant et en fait, il va nous donner deux informations. Il va nous donner en fait la plage des adresses IP qu'il va utiliser, je dirais, dans le cadre d'adresses IP privées. Mais il va nous donner également un port qui va lui permettre de créer en fait ce fameux tunnel privé. Et ce port, dans mon cas, c'est le 51820. Alors, il est possible de changer ce numéro de port. Mais ce qui est important, c'est qu'il va falloir retenir ce numéro de port parce qu'il va falloir configurer notre box pour permettre justement à notre réseau local, à notre box, d'accéder à ce serveur WireGuard. Donc, pour valider les informations, il suffira de faire Apply. Il est possible de modifier la valeur de la plage des IP. Donc moi, par exemple, j'ai pris 10.19.0.1, mais vous pouvez prendre 10.22, etc. Donc, vous pouvez, en effet, configurer les adresses IP du serveur VPN qui va être utilisé. Maintenant, on va aller sur la tabulation profile qu'on voit sur l'écran et il va falloir créer donc des clients pour notre VPN. Qu'est-ce que c'est le client? Ben, en fait, ça va être un PC ou un Mac qui va vouloir accéder au travers de ce tunnel à notre réseau local de l'extérieur. Donc ici, je vais créer des profiles qui vont donc permettre cette action. Alors, il suffit pour faire ça de faire Add et là, on va avoir une interface qui va nous permettre de créer ces profils. Il y a également juste au-dessus The WireGuard Server est currently off. En effet, une fois qu'on aura configuré l'ensemble de notre VPN, il faudra revenir ici dans ce VPN et faire Start pour démarrer réellement notre serveur WireGuard. Maintenant, on va donc créer dans cette étape des profils qui vont nous permettre d'accéder à notre réseau. Alors ici, moi je vais utiliser à l'extérieur, quand je pars à l'extérieur, j'utilise donc un MacBook Pro. Et donc je vais créer un profil MacBook Pro, ici, sur le nom. Il nous demande un nom de profil, un name, on saisira donc le nom de notre client. Si c'est un PC Windows, vous pouvez l'appeler PC1, PC2, enfin, c'est un nom libre en fait, et on fera Apply. À partir de là, le serveur va vous afficher en fait cet écran, et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il génère ce qu'on appelle un fichier de configuration pour le VPN. C'est ce fichier, configuration file, qu'il va falloir récupérer et installer sur notre MacBook Pro. Donc en fait ici sur le bouton Download, on clique sur ce bouton et là il va télécharger un fichier qui est généré donc par le serveur, par WireGuard, et il faudra l'installer ensuite sur notre MacBook Pro. Et on verra ça un petit peu plus tard. Donc il y a la possibilité donc de créer des clients pour des PC, pour des Mac, pour des tablettes Android, des tablettes iOS ou vraiment ou des clients uniques Linux. Ça marche également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument télécharger ce fichier de configuration pour pouvoir l'utiliser sur nos clients. Maintenant que notre serveur et nos clients pour le VPN sont créés, il va falloir faire une opération supplémentaire, mais cette fois sur notre box. En effet, il va falloir donner les autorisations à ce boîtier Mango de pouvoir accéder à notre réseau local. Donc là, il faut donc configurer la box à domicile pour le VPN en cours de création. Alors, je pense que sur toutes les box actuelles, Free, Bouygues, SFR, etc., moi j'utilise une box orange, je pense que la configuration est assez similaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est donc de créer une adresse IP fixe pour ce boîtier Mango. Donc pour trouver cette IP, il suffit d'aller dans la configuration de votre réseau, dans la carte réseau en fait, et vous pourrez voir que l'adresse IP du boîtier est visible sur le nom GL-MT300N-V2. C'est donc cette adresse IP qu'on va donner à notre box pour que ce soit une adresse fixe. Donc moi ici, c'est donc je donne ici l'adresse donc 168.1.48 et automatiquement il remonte la valeur MAC de ce boîtier et il suffit de faire ajouter dans mon cas. Donc je pense que sur toutes les boxes c'est similaire, mais ce qui est important c'est qu'il faut donner une adresse IP fixe à ce boîtier Mango. La deuxième opération, ça va être d'autoriser le port qu'on a vu tout à l'heure, qu'il fallait noter, le 51820 ou celui que vous avez choisi. Donc il faut donner l'autorisation à la box de pouvoir utiliser ce port pour en fait déclencher notre VPN. Donc moi c'est je dirais sous NAT PAT que ça se fait. Il faut donc donner un nom, je dirais, au service qu'on est en train de créer, donner le port interne et externe qui sont exactement les mêmes. Il faut mettre le protocole UDP et enfin chercher le nom de l'élément que l'on veut, à qui l'on veut donner cette autorisation, et on fait créer, et à partir de là on crée donc une autorisation d'accès à notre boîtier Mango. Maintenant que l'application VPN sur ce boîtier Mango est terminée, je dirais, il faut passer à la configuration du client, qui est très simple. En fait, il va falloir installer un client WireGuard sur le PC Windows qu'on va vouloir utiliser, ou un macOS, ou une tablette, ou un smartphone. Alors pour cela, on va aller sur le site wireguard.com, sur la page installation, et il faudra télécharger la partie cliente. Donc sur ce site, on voit qu'on va avoir une installation pour Windows, une installation pour macOS ou pour Linux, Android et iOS. Donc il suffit de cliquer sur la configuration que l'on souhaite et il va télécharger en fait cette partie cliente qu'on va installer sur notre client. Donc une fois installée cette partie cliente sur notre PC ou Mac, eh bien, il faut exécuter l'utilitaire. Et cet utilitaire en principe est très simple. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est, je dirais, prendre le fichier qu'on a téléchargé à l'étape 4.15, c'est-à-dire que c'est le fichier de configuration que nous a donné notre serveur WireGuard. Ben, en fait, ce fichier, il va falloir l'ajouter à notre client WireGuard. Pour cela, il suffit de faire ajouter, vous voyez en bas, on a ajouté le tunnel, ça s'appelle un tunnel, et il suffit de choisir le fichier, et automatiquement, il va créer ce tunnel pour nous. Il suffira ensuite, tout simplement, d'activer ce tunnel, donc activer ce fichier, pour pouvoir créer donc le tunnel vers notre réseau local. Alors, maintenant que tout est prêt, il ne faudra pas quand même oublier d'activer notre serveur WireGuard sur le boîtier Mango. Donc pour cela, on revient sur notre boîtier, on se connecte en Wi-Fi, avec le Wi-Fi donc, du boîtier Mango, et là on vient sur l'onglet WireGuard Server, et il suffira d'appuyer sur le bouton Start pour démarrer notre tunnel. Et on voit qu'ici, il nous dit l'état du serveur, il nous mettra l'état du serveur qui est actif avec les adresses 10.19.0.1, hein, c'est les adresses que j'avais choisies. Donc, il faut absolument faire Start pour que notre serveur VPN soit opérationnel. D'où maintenant, si je veux utiliser mon PC ou mon Mac pour, je dirais, utiliser ce VPN, bah, il ne faut surtout pas que j'oublie, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller dans l'application WireGuard client et de faire activer le tunnel. Donc, il vous mettra activation en cours. Une fois que l'activation est faite, vous verrez un bouton vert, en fait, qui signifie que le tunnel est opérationnel. Donc maintenant que tout est OK, le serveur est démarré, là, le client est également démarré. Mais maintenant, on va faire un test. C'est-à-dire que je vais prendre un PC ou un Mac sur lequel, cette fois, je suis à l'extérieur de mon réseau local. Comme je suis à l'extérieur de mon réseau local, je n'ai pas de possibilité d'avoir une box Internet. Donc ce que je fais, c'est que je peux utiliser mon smartphone et m'en servir comme point modem, je dirais, pour me connecter à Internet. Donc je vais connecter mon PC ou mon Mac au travers de mon smartphone à Internet. J'ai activé mon client WireGuard MacBook Pro et donc je suis à l'extérieur. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est à travers mon logiciel de remote installé sur ce PC ou ce Mac, d'accéder à mon réseau local grâce au VPN. Donc, il suffira donc d'utiliser le remote que j'ai utilisé lorsque je faisais mes tests en réseau local, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai ouvert le tunnel VPN entre ma configuration, donc mon réseau local à domicile, en fait, ce qui se passe, c'est que ce VPN permet de simuler comme si j'étais chez moi avec mon PC dans mon réseau local. Voilà à quoi sert ce VPN privé. Il me sert à accéder à mon réseau local comme si j'étais sur place. Mais là, je suis à l'extérieur avec une connexion Internet au travers du smartphone. Donc ça, c'est, je dirais, le remote qui permet ça avec mon logiciel, soit Remote Desktop, soit AnyDesk, soit TeamViewer. Une fois que je suis dans mon réseau local, ben, je fais comme tout à l'heure, comme si j'étais chez moi. Je vais activer mon mini, je vais donc activer BlueStacks 5 sur mon mini-PC, puis l'application ASIAIR sur BlueStacks 5 pour pouvoir accéder tout simplement à ma configuration d'astronomie. Donc voilà pour cette deuxième partie. Maintenant, on va voir comment ça se passe réellement. Donc, quelques compléments suite à cette configuration. En fait, j'utilise, comme je vous disais tout à l'heure, donc une prise Wi-Fi connectée. C'est-à-dire que je suis capable, avec cette prise, de démarrer à distance tout mon setup. Donc, en fait, cette prise Wi-Fi de marque Tapo. Alors, il existe d'autres marques, mais bon, moi j'utilise celle-là, elle marche très bien. Elle a une application, en fait, qui s'installe sur le smartphone, en fait, Android ou iOS. Et ça me permet d'activer l'alimentation de n'importe où dans le monde. Donc en fait, j'ai branché tout mon setup sur cette prise et lorsque je veux démarrer par exemple mon mini PC et mon ASIAIR Plus, il suffit d'activer cette prise. Une fois, dans mon cas, que l'ASIAIR a démarré, en fait ça me déclenche le démarrage du mini PC parce que j'ai configuré mon mini-PC pour qu'il démarre lorsque l'alimentation est active. Alors, pour ma part, moi j'utilise des mini-PC de marque Mail et pour activer en fait cette fonctionnalité de démarrage lorsque l'alimentation est activée, il faut aller faire une petite modif dans le BIOS. Donc c'est très simple, avec la touche F7 au démarrage du PC, on appuie sur la touche F7 et le BIOS s'affiche. Et ensuite, il faut trouver la fonction qui s'appelle Customer Exclusive Function. Et là, on aura une option qui s'appelle Auto Power On. Et là, on doit mettre Enabled et faire Save lorsqu'on quitte ce BIOS pour que cela fonctionne. Donc moi, lorsque mon ASIAIR Plus démarre, comme mon mini-PC est alimenté par le boîtier ASIAIR Plus, il démarre également, ce qui me permet donc de déclencher BlueStacks 5 et d'activer l'application de l'ASIAIR Plus. On va pouvoir utiliser le boîtier. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est donc sur notre Wi-Fi, au niveau du PC ou de mon Mac, ici c'est un jeune Mac, on va activer en fait ce Wi-Fi GL MT300N-V2-85D, qui est donc le Wi-Fi qui est émis par le boîtier Mango. Donc une fois qu'on a connecté le Wi-Fi du Mango à notre PC ou Mac, en fait, maintenant, on rentre par l'adresse 192.168.8.1 dans, je dirais, l'interface de configuration. Donc, la première chose qu'il nous demande, c'est de choisir donc une langue. Donc ici, je vais choisir, de toute façon, on n'a que English, on n'a pas français. Donc on fait Next. Et ici, la première chose qu'il nous demande, en fait, c'est de saisir un nouveau mot de passe pour le Mango. Alors, par défaut, ils ont mis Good Life. Sinon, en fait, on peut saisir notre mot de passe. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, je fais Apply. Et là, normalement, il va rentrer dans l'interface. Donc une fois que le mot de passe est pris en compte, en fait, on arrive sur cette interface. Et sur cette interface, en fait, on voit ici, système, un petit triangle, en fait. Donc on va cliquer dessus. Ici, et ici il nous dit qu'en fait le time zone, c'est-à-dire l'heure et la région sur laquelle on est, n'est pas à jour. Alors pour ça, il va falloir maintenant connecter un câble réseau entre notre box et le boîtier Mango pour qu'il puisse en fait avoir un accès à internet et mettre à jour ses informations de configuration. Donc je vais connecter mon Mango à WLAN, donc à ma box, et normalement il va voilà, il se met ici à il va se connecter. Alors normalement doit se connecter à ma box et pouvoir accéder ainsi à internet. Donc ce que je peux vérifier sur mon réseau local, dans mon Livebox, je peux vérifier que en fait ce boîtier fait bien partie de mes équipements connectés. Donc si je descends ici sur la partie Ethernet, je vois en effet, alors il faudrait que je puisse le regarder, je vois ici que mon boîtier Mango est bien connecté en local sur ma box. Donc je peux regarder, en fait, il a donc l'adresse IP ici 168.1.48 et son nom est le GL-MT300N-V2. Donc il faut noter cette adresse ici pour s'en rappeler. Maintenant, je vais donc activer mon interface, donc en tapant 192.168.8.1, mais auparavant, je vais basculer sur le Wi-Fi du boîtier. Donc là, je bascule, il est fait, et là maintenant je peux ici, je peux faire rafraîchir, actualiser, hein, donc je vais retomber sur la même interface, voilà, et là je saisis le mot de passe que j'ai changé tout à l'heure, et je rentre dans mon interface. Donc ici, maintenant, vu que j'ai connecté mon réseau WLAN avec le câble entre la box et ce boîtier, je vois qu'il vient d'accéder ici, donc à mon boîtier, et que maintenant le boîtier peut, je dirais, se connecter à Internet. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire système, aller dans la partie système, et ici on a time zone. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire alors en effet, moi je l'avais déjà fait, mais au départ, lorsque il va se connecter au réseau, le time zone n'est pas bon, donc il faut venir ici dans cette zone et faire apply pour qu'il puisse prendre en compte l'heure et la localisation du boîtier. Ensuite, la deuxième opération, ça va être d'aller sur upgrade, car en effet ici il faut que le firmware soit à jour suite à la livraison. Le firmware peut avoir évolué, donc dans ces cas là il suffira ici, donc ici vous mettez le current, mais vous allez télécharger en fait le fichier qui, alors actuellement, moi ici j'ai mon firmware qui a été mis à jour, donc en effet je n'ai pas l'opération, mais vous verrez que lorsque vous êtes en live upgrade ici, il faudra, à partir d'ici, vous aurez une option qui vous permet d'aller télécharger donc le nouveau firmware, et après il suffit de l'appeler ici, de le sélectionner à partir de cette position, et la mise à jour du firmware se fera. Ensuite, il est possible de modifier de nouveau le mot de passe. Ici, on a la possibilité, avec ce petite interface, vous avez un bouton sur le boîtier qui permet en fait d'activer une fonction ou une autre. Donc ici, on a une liste de fonctions, ici, qui, suivant sa position, va être activée. Donc en effet, vu qu'on est en train de mettre en place un VPN, vous verrez qu'on pourra, par exemple, puisqu'on va configurer le VPN WireGuard client, ici on peut sélectionner cette option et dire que dans cette position, en fait, le WireGuard est activé et là il est désactivé. Ici on a une log de tout ce qui se passe en fait. Bon, ça peut aider si on a des erreurs. Ici, Reset Firmware, donc ça va permettre de réinitialiser le firmware. Et dans Advanced Settings, donc ici, en fait, c'est pour, je dirais, c'est plus spécialisé avec OpenWriter, qui est une interface, en fait, pour VPN, mais c'est réservé essentiellement pour les développeurs. Donc voilà au niveau du système, donc là on n'a rien à toucher. Ici, donc sur Internet, c'est l'interface qu'on vient de voir. Sur wireless, ici, ça concerne le Wi-Fi qu'émet notre boîtier. Alors, dans un premier temps, il est activé, mais on pourra le désactiver. Alors on en a deux, un invité et un normal pour la configuration, et on pourra le désactiver. Alors si le boîtier est proche par exemple de votre box, je vous conseille de désactiver le Wi-Fi de ce boîtier, car il pourrait faire des perturbations sur le Wi-Fi de votre box. Il sera toujours possible d'accéder au boîtier, mais cette fois grâce au câble Ethernet entre par exemple un PC et le boîtier, pour revenir modifier ce paramétrage. Ici maintenant on a les clients qui sont en fait connectés au travers du boîtier. Donc moi en effet aujourd'hui je suis actuellement sur mon iMac en train de faire les modifications avec l'interface. Et ici, on arrive à la partie VPN qui nous intéresse. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, le WireGuard client, car on va utiliser, je dirais, c'est le VPN le plus simple à paramétrer, donc je vous conseille celui-là. Donc ici, c'est pas le WireGuard client, mais plutôt le WireGuard serveur, car on va faire un serveur pour permettre d'accéder à mon réseau MINI-PC ASIAIR. Donc la première chose qu'on doit faire, en fait, ici, c'est, comme il met ici, c'est générer la configuration qui va permettre, en fait, d'utiliser ce boîtier en tant que VPN et interfacer avec les clients WireGuard qui permettent de fabriquer ce tunnel, ce VPN. Donc ici, je fais donc Generate Configuration et ici, il l'a fait. Il m'a généré donc je dirais un fichier de configuration qui va permettre d'utiliser, donc de fabriquer ce fameux VPN. Donc ici, en fait, ça sera la partie qui va nous permettre de démarrer notre serveur VPN sur ce boîtier Mango. Et ici, des choses importantes, c'est qu'il va nous mettre, en fait, vu qu'on va construire, je dirais, des adresses IP qui vont nous servir pour utiliser notre tunnel entre deux réseaux, un réseau extérieur et notre réseau local. Donc il nous propose, je dirais, des adresses IP qui seront utilisées par le serveur VPN. Alors ici, je conseille de le modifier. Donc ici, par exemple, moi, vous pouvez mettre, vraiment, vous pouvez le configurer comme vous voulez. On peut mettre 1019.0.1. Et surtout, ce qu'il va falloir retenir, c'est cette valeur 51820, car on va en avoir besoin pour faire une mise à jour, je dirais un paramétrage au niveau de notre box internet. Ici, donc ici, je fais Apply pour qu'il prenne en compte mes nouvelles adresses. Ensuite, ici, on a des profiles. Alors, qu'est-ce que ce sont les profiles? En fait, le profile, ce sont, je dirais, tous les clients qui vont me permettre d'accéder à mon tunnel, donc à mon VPN, et qui va avoir ensuite accès à mon réseau local de n'importe où dans le monde. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter à peu près 2 ou 3 clients qui vont me permettre d'accéder à mon réseau local. Donc, je fais Add. Ici, et je vais nommer mon premier client. Donc moi, mon premier client, ça va être, je veux accéder, parce que souvent je pars avec mon MacBook Pro, donc ici je vais dire que je vais créer un MacBook Pro comme client. Je fais Apply, et ici, très important, il vient de me générer un client, et il va me permettre également de télécharger un fichier, donc qu'il a fabriqué lui-même, en fait. Donc on peut le voir ici dans Configuration File. Voilà, voilà le bout de code, je dirais, qu'il a généré et qu'il va falloir, je dirais, exporter vers mon MacBook Pro que je pourrai ensuite utiliser grâce à un client WireGuard qui permettra d'accéder à mon VPN. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous pouvez le télécharger en scannant ce QR code. Alors, ça, le QR code, ça va être, par exemple, utile si vous utilisez un smartphone en tant que client de votre VPN. Donc, on fera avec le QR code. Sinon, il suffit de cliquer Configuration File et de faire Download. Donc ça, ben, je vais le sauvegarder en local. Voilà. Et donc, il m'a enregistré mon fichier de configuration que j'utiliserai après sur mon MacBook Pro. Donc ici, on voit qu'il a attribué à mon MacBook Pro l'adresse 10.19.0.2. C'est cette adresse ici qui est donc maintenant, qui sera l'adresse de mon MacBook Pro dans je dirais, le réseau local qui me permettra d'atteindre mon réseau dans le réseau extérieur qui me permettra d'atteindre le réseau local. Donc ici, j'ai fini, j'ai enregistré donc ce fichier qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est ce port, parce qu'on va en avoir besoin maintenant, donc je le note, 51820, puisqu'on va en avoir besoin maintenant pour modifier, pour paramétrer ma box, qui va lui permettre en fait d'accéder, de donner les autorisations d'accès à mon réseau local au travers de ce VPN serveur. Donc ici je vais donc faire un logout puisque j'ai fini de configurer. Je logout. Je vais basculer maintenant sur le Wi-Fi de ma box. Je vais aller, je reviens sur en fait ma Livebox qui est ici. Et je vais maintenant configurer. Donc là, il faut aller. Alors, ça va dépendre de chaque box. Une box Free, une box Bouygues. Mais ils ont tous à peu près la même façon, je dirais, de configurer sa box. Alors ici, je vais aller sur Réseau. La première chose que je vais faire, en fait, c'est de donner ici une adresse IP fixe à mon Mango, donc à mon boîtier qui va servir pour faire mon VPN. Donc ici, si je le trouve, voilà, il est ici, voilà, et il a l'adresse 148, il remonte automatiquement l'adresse MAC et je fais ajouter. Donc première chose à faire, mettre une IP statique sur mon boîtier. Deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est ici. Alors, c'est en fait donner une règle d'entrée à ce boîtier. C'est-à-dire que je vais permettre, je vais ouvrir le port de mon Mango, donc de mon boîtier qui va me servir pour le VPN, à ma box pour que toutes les communications puissent passer. Donc ici, donc ça va dépendre en effet de chaque box, mais il faut trouver en fait la rubrique qui vous permet donc de donner, je dirais, un nom au service, de donner un port interne, un port externe, de donner le protocole qui va servir à faire notre VPN et ensuite à donner l'adresse IP de l'équipement. Donc moi ici, je vais faire par exemple nouveau et je vais taper ici. Donc, par exemple, Mango serveur. Alors, Mango serveur. Voilà. Le port interne et externe, je vais donc mettre les ports que je vous ai dit de noter tout à l'heure, qui étaient 51820. Port externe 51820. Alors ici, attention, ce n'est pas du TCP, mais c'est de UDP. Donc le protocole utilisé pour des serveurs VPN, c'est UDP. Et ici, je vais aller chercher en fait l'adresse, voilà, qui est ici, hop, de mon Mango. Et je fais créer. Et ici, j'ai bien donné l'entrée ici à mon petit boîtier Mango qui va me permettre de faire du serveur. Donc voilà, ce sont les deux seules opérations à faire pour en fait, je dirais, synchroniser ma box avec mon petit serveur VPN. Donc je fais retour et je peux fermer. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va installer les fameux fichiers qui ont été générés sur chacun des clients qui vont me permettre d'accéder à mon réseau local. Maintenant que le serveur dont WireGuard a été bien installé sur mon petit boîtier Mango, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer la partie cliente sur mon MacBook Pro qui va me servir plus tard de l'extérieur, donc de mon domicile, de pouvoir accéder au travers de ce tunnel à mon mini-PC qui pilote en fait mon ASIAIR Plus chez moi. Donc là, en fait, sur Mac, c'est assez simple puisqu'en fait, le WireGuard client fait partie donc de l'Apple Store. Donc il n'y aura pas de problème, mais sinon, vous pouvez aller sur donc, le site wireguard.com et vous pouvez ici faire le download, voyez, from l'application qui vous amènera automatiquement sur la page. Donc, il suffit donc de faire obtenir ce client. Moi, je l'ai déjà fait. Et ensuite, en fait, une fois qu'il est installé, on fait ouvrir. Donc, une fois après avoir fait donc, ouvrir, donc ici, on va avoir ce petit écran qui s'affiche. Et ici, en fait, bon, moi c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment. On va rajouter en fait le fichier que l'on a téléchargé tout à l'heure à partir du serveur WireGuard sur Mango, sur le petit boîtier Mango. Donc en fait, il suffit de faire ici Add. Donc on fait importer à partir d'un fichier. Et ici, on ira chercher, bon moi je l'ai déjà fait, mais vous cliquez donc sur le fichier de tout à l'heure, donc vous avez téléchargé. Alors, soit vous l'avez téléchargé à partir de notre PC, donc dans ce cas-là, vous faites un transfert par clé USB ou par messagerie, etc. Bon, c'est un tout petit fichier texte, hein, donc il n'y a pas de problème. Et vous faites importer. Donc, une fois que le fichier est importé, il apparaît ici. Et pour activer donc, le tunnel entre donc, ce MacBook Pro et mon réseau local du domicile, il suffit de faire ici activer et automatiquement le tunnel va être ouvert. Donc ensuite on peut fermer ici. Alors sur Mac vous avez ici la possibilité de le désactiver ou de l'activer donc rapidement avec la barre des actions ici. Donc maintenant en fait je me retrouve donc avec mon MacBook Pro avec le tunnel qui est activé. Donc maintenant, je vais simuler le fait que je suis à l'extérieur de mon domicile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon smartphone et je vais me connecter en fait en 5G grâce à la fonctionnalité point mobile qui va me permettre de me connecter à un réseau, donc un réseau public, et donc la 5G, moi chez moi c'est Orange, et vous allez voir qu'à partir de là, je vais pouvoir, à partir d'un logiciel en remote, alors moi j'utilise AnyDesk par exemple, mais on peut utiliser Microsoft Remote, et vous allez voir qu'on va pouvoir accéder à partir de mon MacBook Pro sur le mini-PC en réseau local. Donc maintenant, je vais donc simuler le fait d'être à l'extérieur et donc je vais essayer de me connecter donc sur mon réseau local de l'extérieur. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter donc en 5G avec mon smartphone et ici, je le fais ici, voilà. Donc ici, j'ai un smartphone sous Android, donc j'ai activé le Wi-Fi de l'Android et je suis en point mobile avec le smartphone. Donc ce que je vais faire maintenant, je vous signale que le tunnel est activé ici. Je vais donc aller sur AnyDesk par exemple et je vais essayer d'atteindre, alors c'est celui-là, normalement c'est le mini PC est ici. Donc je clique dessus, la procédure de connexion est en cours. Donc en fait, ce qui se passe c'est que je fais comme si j'étais sur le réseau local chez moi, en train de me connecter à mon mini PC. Donc j'ai configuré AnyDesk et Normalement, pour accéder à mon mini PC, je dois saisir un mot de passe. Donc c'est ce que je fais. Là, je fais OK. Et là, je vais être connecté à mon mini PC. Il est là. Voilà. Alors, je vais essayer d'avoir un écran un peu plus grand. Je crois que je dois faire adapter. Voilà. Donc ici, je saisis mon mot de passe qui me permet d'accéder à mon mini PC. Et je vous rappelle que je suis toujours ici sur mon Android. Donc voilà, j'ai donc mon mini PC qui est ici. Donc je vais mettre en plein écran, voilà. Et à partir d'ici, maintenant, ben, je fais la procédure comme si j'étais chez moi. Je vais donc démarrer BlueStacks 5. Donc je dis OK. Donc BlueStacks 5 va démarrer. Le voilà. Alors, je peux me mettre toujours en plein écran, comme ça j'aurai un écran beaucoup plus commode. Bon, BlueStacks 5 est toujours un peu long au démarrage. Mais là, je vous signale que je suis vraiment à l'extérieur. Alors, je vous indiquerai comment j'ai pu démarrer en fait mon mini PC de l'extérieur, hein, donc en utilisant en fait une prise Wi-Fi de marque Tapo, donc qui permet d'allumer, ça sert souvent pour allumer ou éteindre des lampes, qui permet d'allumer un circuit électrique à distance partout dans le monde. Donc là, je clique sur ASIAIR. Hein? Alors au début c'est un peu long, mais après, une fois que le flux de données est en route, ça s'améliore. Voilà, je fais Enter Device. Donc ici, il s'est connecté automatiquement sur mon ASIAIR. Et je fais Enter. Parce que je vous rappelle que mon mini PC et mon ASIAIR sont sur le même sous-réseau. Et donc il s'est connecté. Donc je vous rappelle que je suis toujours, comme vous voyez ici, sur ma 5G. Et voilà, j'ai donc ici maintenant mon ASIAIR qui est disponible. Donc je peux faire par exemple ici donc une pause par exemple de 10 secondes. Donc on fait ça. Et on voit que bon là, on voit bien le curseur. Voilà, il a fait sa pause de 10 secondes, préparé. Et ici, on voit que l'image est chargée assez rapidement. Alors vous verrez, au départ, moi j'ai trouvé que c'était un peu lent, mais je pense que cela provient en fait du fait que je suis dans une zone 5G un peu perturbée, donc voilà, tout va dépendre en fait de la connexion 5G à partir du smartphone, et plus évidemment le débit sera important en 5G, mieux sera la réception des données par l'ASIAIR. Donc ici, je fais 30 secondes. Au revoir. Donc il fait son shooting. Donc là, je vous mets la vidéo est en temps réel, hein, donc il n'y a pas de triche. Hein, j'ai pas accéléré la vidéo. Voilà. Et ici, il fait preparing et voilà. Et il récupère l'image. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, hein, pour donc faire du remote avec son ASIAIR Plus ainsi qu'un mini PC, tout cela donc à partir d'un VPN géré par le boîtier Mango. J'espère que j'étais assez clair dans la configuration de tout ça. C'est sûr, tout n'est pas facile, mais c'est possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.